Hier, Charles Doux a donc remporté une première victoire. 2 mois de sursis pour qu'il puisse présenter son plan de continuation pour les deux pôles bénéficiaires du groupe, l'export et les produits élaborés. Le pôle frais, lui, grandement déficitaire, est purement et simplement liquidé. Je sais que c'est son père qui a fait ça. C'est pour 1958. Le tribunal a décidé de liquider avec poursuite d'activité le pôle frais, ce qui permettra aux candidats de réitérer leur offre sur le seul périmètre du frais. Et sauver ainsi les emplois, parce que la clé de tout ça, c'est les emplois, l'essentiel des emplois du pôle frais quand même. Voilà. Et le pôle frais, ce ne sont pas moins de 1700 emplois dans toute la France, 1100 dans le Grand Ouest. Certains sites intéressaient déjà des repreneurs dans le cadre de l'offre groupée par le consortium Sophie Protéol. Alors l'avocat du groupe reste optimiste. On ne doute pas maintenant qu'on va pouvoir travailler sereinement et cette fois avec le concours de tous, les pouvoirs publics et même le concours peut-être de ceux qui hier se présentaient dans le cadre du consortium mais qui font partie du métier et qui pourront peut-être venir apporter leur concours. Le seul site du pôle frais partiellement repris par Charles Doux sera celui de Pleucadoc dans le Morbihan. Un symbole, mais tous les emplois ne seront pas sauvés. Ils sont 407 salariés aujourd'hui, ils seront 134 demain. On a la rage là, on a la rage au ventre, de la colère, de la... C'est triste, c'est triste. On sauve entre guillemets 134 salariés, c'est tout. C'est sûr. Au moins jusqu'à la fin de la période d'observation, après je sais pas. Voilà, après le redressement qui sera mis en place par Charles Doux et par la Barclays, on le connaît pas, on va le connaître d'ici 2 mois, quoi, 2 mois et demi. Au couvoir de la Harmois, dans les Côtes d'Armor, en revanche, c'est le soulagement. Car le site était menacé de fermeture si l'offre de Sophie Protéol l'avait emporté. 2 mois de plus, c'est un gros soulagement pour nous, ici, à la Harmois. Ça, c'est clair que c'était important. On est tous ici, pratiquement, pour le plan à Charles et Charles Doux, et voilà. À Châteaulin, la page Charles Doux n'est donc pas encore tournée. Son prochain rendez-vous au tribunal de commerce sera le 9 octobre prochain.